mission, faith and patience. You conveyed the noble message, brought the light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Vous avez parlé tout à l'heure de la consommation. Et malheureusement, on se trouve dans un pays de consommation. Quel est le bédil ? C'est un pays de consommation, surtout à nos enfants. La question que notre sœur pose, c'est la question justement de l'alternative. En fait, il faut distinguer deux choses. Consommer, c'est obligatoire de consommer parce qu'en consommant, nous vivons. Mais il y a consommer et surconsommer. C'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de consommer, quand il nous parle de vivre, il nous met des limites. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand vous consommez, ne dépassez pas les limites. Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, buvez, mais ne surconsommez point. Pourquoi ? Parce qu'en surconsommant, on devient l'objet de sa consommation. C'est-à-dire, en d'autres termes, que on devient en quelque sorte l'esclave du produit qu'un humain comme toi a fait. Or, ce à quoi appelle l'islam, c'est justement que l'humain ne soit l'esclave de rien d'autre que le serviteur de rien d'autre que son créateur. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis dans Ma'rakat al-Qadisiyya, battre ou combattre plutôt des ennemis, le général des armées ennemies qui s'appelait Rustam a dit: mais qu'est-ce qui vous a emmené d'aussi loin dans des terres aussi éloignées des vôtres? Et le compagnon doit lui répondre: جِئْنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Nous sommes venus extraire les serviteurs d'Allah, donc les humains, du service ou au service d'humains communs pour les amener au service de leur créateur. Donc si aujourd'hui j'utilise ceci, mais dès qu'un autre sort, je cours pour en utiliser un autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le produit crée le besoin. Et on en est devenu fou. Et la question, elle est là, comment faisions-nous, frères et sœurs, quand il n'y avait pas ça ? On n'a pas vécu ? Bien sûr qu'on a vécu. Et il en va de l'indépendance de chacun de nous. Aujourd'hui, quand j'enseigne en lycée, quand on prend un téléphone à un enfant, mais wallah, je ne pense pas qu'il souffrirait autant que s'il était amputé d'une main. Je pense qu'il surréagit parce que c'est devenu indispensable à sa vie. Donc le badil, l'alternative, c'est de donner une éducation qui responsabilise la personne. C'est donner une éducation qui fait en sorte que la personne est capable de se regarder et de se différencier des autres, de ne pas être un suiveur. Parce que celui justement qui cède aux tentations de ceux qui les insultent ou je ne sais quoi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Or le musulman se doit d'avoir une personnalité. C'est pour cette raison que le Prophète a dit: la takun imma, ne sois pas quelqu'un un béni oui, il a fa'al nas ou fa'alt. Si les gens font, je fais. Abadan, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu aies une indépendance d'esprit. Et cette indépendance d'esprit, chère sœur, on commence à l'introduire, à l'inculquer dans la tête de l'enfant dès son jeune âge. Vous savez qu'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que même à 30 ans, on n'est pas responsable. Même à 30 ans, on n'est pas responsable. Comment se fait-il que Shafi'i était mufti à 15 ans? Et à 60 ans, il y en a encore qui ne sont toujours pas responsables. C'est l'école de la vie, frères et sœurs. Responsabilisons nos enfants dès leur jeune âge. Les responsabiliser, ce n'est pas les envoyer travailler, abadan. Ce n'est pas leur faire faire des choses qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Ce n'est pas cela. C'est leur inculquer des valeurs,
qui les rendent responsables, leur inculquer des valeurs qui leur permettent de savoir qui ils sont par rapport aux autres. Comment se situer, comment s'identifier en tant que musulman, comment s'identifier en tant qu'homme. Là se trouve la solution. Pas en essayant de dire je restreins. En fait, si la restriction se fait sans qu'elle soit précédée d'explications, elle ne servira à rien. Et dès lors que la personne sera loin de la personne qui lui imposait la restriction, la surconsommation prendra le pas aussitôt. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais dans le Coran, vous ne trouverez un verset qui appelle justement à... Allez, on les enferme comme dans une boîte de sardines. Eh ben, ça n'existe pas cela. Quand on vous dit ne faites pas quelque chose, eh bien, vous avez toute une pédagogie qui précède. L'alcool n'a pas été interdit du jour au lendemain. Il a fallu justement qu'on les éduque jusqu'à ce qu'un jour on leur dise l'alcool c'est haram. Et les rapporteurs de hadith vous disent tous que ce jour-là, l'alcool a coulé dans les rues de Médine exactement comme des fleuves. Parce qu'ils y étaient accros. Aujourd'hui, nous sommes accros au téléphone portable. Nous sommes accros à Facebook. Il y a du bon et du mauvais dedans. Maintenant, comment faire? Parce que la mère, la sœur qui nous a parlé, je vous garantis que si elle veut imposer à son fils l'interdiction d'accéder à Facebook, il va y aller quand elle lui tournera le dos. Mais comment faire? Mais fais en sorte que ton fils soit déteste Facebook, parce que s'il le déteste, en t'écoutant, il s'écoutera d'abord avant de t'écouter. Mais si au contraire, lui, il veut Facebook, et toi, tu ne le veux pas, tu lui interdiras, il ne le fera pas s'il te respecte, parce que Ma'al-Asaf al-Shadid, il y en a qui font fi de leurs parents, et dès que tu lui tourneras le dos, qu'est-ce qu'il fera? Vroom, Facebook. Ah, va dormir, sauf que maintenant, les smartphones ont les moyens d'accéder à Facebook à partir de... Donc j'y accède également. Et Facebook, c'est Internet, mes frères, c'est comme l'océan. Vous trouvez tout dans l'océan. Vous trouvez les requins les plus féroces, comme vous pouvez trouver également des perles. Mais qui est-ce qui va pouvoir, justement, repérer le requin et s'en éloigner et aller en direction de la perle? Celui qu'on a doté des armes nécessaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le basir. Comment? Et ça, c'est ce que nous devons donner à nos enfants. La possibilité de... C'est quoi le mal? Et le Ghazali disant dans l'Ihya, rapportant un propos, un poème arabe, « Araftu shar, j'ai connu le mal. »« Lali shari, non pas pour le mal en tant que tel, lakin li tawqihi, mais pour m'en protéger. » Parce que si tu ne connais pas le danger, mais tu y finis. Tu vas t'exposer à la gueule du loup, passez-moi l'expression, si tu ne sais pas c'est quoi le loup. Vous avez tous lu le petit chaperon rouge. Vous avez vu comment le petit chaperon rouge a fini. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas de bûcheron pour aller sortir le petit chaperon rouge et sa mère grand du ventre du loup. Une fois qu'il est mangé, il est mangé. Et bien, tout se situe en amont, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme dirait Piaget, c'est la période pendant laquelle l'intelligence se constitue, chers frères et sœurs. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer le travail. Mais si tu attends au-delà, passé 8 ans, là les problèmes commencent à se poser. Et comme dit le proverbe chinois, si tu attends que l'arbre grandisse et que ses branches deviennent dures et qu'ensuite tu veux changer, c'est trop tard. Tu couperas l'arbre, mais tu ne pourras pas du tout orienter les branches. Wassalamu alaikum. You feel you can't repent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair.